pour le shot, une sortie de grille parfaite, mais on vient à l'intérieur, on vient contre l'intérieur. Bon, attention à deux le front, et là le freinage dans le 1, avant le 1 en tout cas. Le 1 et le 2, on part à la faute pour Pierrick Nicolas. Allez, on repart. Oui, on repart pour tout le monde. Et Christophe Gillet qui en a profité donc avec la voiture numéro 51, c'est le leader du classement général provisoire. Cette voiture 51 en tout cas qui a profité avant tout et bien d'une régularité exemplaire sur les étapes du Brest Cross Tour. Kevin Le Coeur qui vient à l'extérieur avant d'aborder le S en gauche-droite et Pierrick Nicolas qui va se devoir mettre la dragée haute pour essayer de revenir en contact, mais avec un peu de précipitation là, ne pas confondre vitesse et précipitation dans la concentration et le pilotage dans le baquet. André Pivot en seconde position, lui qui avait pris la victoire à Saint-Jean-Brévelay. C'était aussi dans le département du Morbihan. Il s'était imposé également à Nice. Et puis la deuxième place, c'était à Trégamus en ce qui concerne son meilleur résultat sur les dernières étapes du Brest Cross Tour 2013. Alors certes, Christophe Gillet eh bien, possède plus de 60 points d'avance. Et quel retour hein, de Kevin Le Coeur là. Quel retour alors qu'il était pointé en 4e et 5e position sur le hold shot. Eh bien, il refait son handicap, il revient en contact. Il est maintenant actuellement second, il aborde la dernière ligne droite de montée. Il est dans le viseur avec Christophe Gillet. Les deux roues, hein. Et les deux roues et Pierrick Nicolas qui fait tout et qui tombe tout pour reprendre des places. Et voilà celui qui n'a pris qu'une seule victoire. Il est bien, il n'a qu'une seule victoire à son actif avec la voiture numéro 51, mais il est le premier du classement général avec sa régularité, en tout cas sur les étapes du Brest Cross Tour 2013. Christophe Gillet est en train de remettre tout le monde d'aplomb sur la troisième et dernière manche.